Merci. Merci de votre accueil. Merci, merci. Merci infiniment. Avouez que ça valait la peine. Hein, les vedettes sont belles, mais les voitures aussi. Hein. Même notre preneur de son, Michel Ruby, n'avait pas assez de bande musicale, était obligé de la remonter car le défilé était plus long que d'habitude. Ces voitures qui sont de pure merveille, qui sont des voitures de collection, nous viennent de Haute-Savoie. En effet, elles vont participer à un rallye international du 4 au 10 juillet, le rallye du Mont-Blanc, qui réunit les plus belles voitures de collection européennes. C'est un rallye international. Et les organisateurs, le Rétro Mobile Club de Haute-Savoie, est venu à Paris nous présenter ces voitures. Il y en a deux d'ailleurs. Je vais me diriger dans un instant devant ces deux magnifiques voitures, une Tracta et une Bugatti. Au nom de ces organisateurs qui sont dans la salle, je voudrais quelques applaudissements car les voitures sont superbes. Merci. Bonsoir d'abord et merci de votre fidélité. On retrouve le pavillon Gabriel après une escale au Canada, au Québec, à Montréal. Et c'est l'avant-dernier numéro de la saison, le temps passe vite. Nous allons prendre nos quartiers d'été comme chaque année, à la même époque. On reviendra en début septembre. Il y a encore une émission samedi prochain. L'invité d'honneur et le co-présentateur, il sera à mes côtés toute l'émission, sera Johnny Hallyday. Mais place ce soir à nos invités que vous avez vus défiler. Il y a tous les styles, tous les genres ce soir. Vous avez vu, il y a la musique classique. Il y a la chanson musclée avec Bernard Lavilliers. Il y a aussi Casagougou, le groupe qui fait fureur, le groupe anglais que vous verrez à la fin de l'émission. Mais on va commencer avec une évocation de chansons qui vont vous rappeler des étés passés. Une ou deux générations se souviennent de ces chansons. Les enfants du Pirée, Comme et Prima, vous connaissez tout ça, Bambino. Autant de chansons qui appartiennent un petit peu à notre patrimoine, mais celle qui les a fait connaître appartient aussi au patrimoine. Dalida! Us.
des sourires merveilleux pour les danseuses dont tu tiens la main. Mais n'oublie pas que ce sera toi qui me conduira ce soir chez moi. Les chevaux rassemblés le long de la barrière, le flanc gris de poussière, le naseau écumant. Les gitans sont assis près de la flamme claire qui jette à la clairière. C'est la nuit. Dalida, qui est l'invitée d'honneur de la partie chantée de cette émission. Que de souvenirs. Oui, c'est vrai, que de souvenirs. Enfin, les chansons sont un peu notre mémoire. Ouais. Et je dois dire que souvent, je reçois des lettres, Michel, des gens qui m'écrivent et puis qui me disent « Mais tu sais, Dalida, pour nous, tu es un peu un symbole. » Parce que, par exemple, on s'est connus sur, comme prima. Après, on s'est fiancés avec les Bambino. Enfants du Pirée. Bambino. Après, on s'est mariés sur Gondolier ou ouais. sur le reggae. Alors, ça me fait plaisir parce que finalement, on fait partie de la vie du public. On rentre chez eux, on les viole un peu parfois, mais ça fait plaisir. Est-ce que vous chantez? Parce que je vous l'ai demandé, c'est un cadeau que vous nous avez fait. Je vous ai demandé de commencer cette émission par ce qu'on appelle un pot pourri, parce que je trouve dommage que très souvent sur les antennes de télévision et de radio, on entend bien sûr les succès récents, mais les anciennes, on ne les entend pas très souvent, pas assez souvent. Est-ce que sur scène, vous chantez des chansons qui sont de vos débuts? Ah oui, absolument. D'ailleurs, ce pot pourri, je le chante toujours à la fin de mon tour de chant. Et c'est vrai que ça fait plaisir au public. Je me souviens, quand vous étiez passé à l'Olympia, je crois, il y a 2 ans, vous terminiez, je crois, le spectacle avec la robe de vos débuts. Exactement, oui. Et j'étais fière de moi parce que j'y rentrais encore après 25 ans. On va vous retrouver tout à l'heure avec des chansons cette fois tout à fait récentes qui sont de vos auteurs favoris. Enfin, parmi les auteurs favoris, hein, il y a Jouveau, il y a Barnel, il y a Lang, etc. Mais pour l'instant, on va accueillir un couple qui est un exemple. Oui. À la ville comme à la scène, depuis de nombreuses années, ils partagent la même passion, le théâtre. Leur théâtre, c'est le théâtre de la Madeleine, pas loin d'ici. Ils vont le rejoindre car le public les attend pour une pièce d'André Roussin que Roussin avait écrite dans les années 55, qui n'avait pas été un grand succès et qui fait maintenant un triomphe ici à Paris. Ça s'appelle L'amour fou. Et je vous demande de les applaudir. Ils sont venus, c'est la tradition dans cette émission, nous faire un cadeau. Ils vont chanter, et ce n'est pas leur premier métier, disons. Mais ils l'ont fait, ils ont travaillé, ils le font en direct. Ils étaient déjà venus, souvenez-vous, à Baltar, à Nogent, dans Star, il y a 2 ans. Et ils ont repris, ils vont reprendre devant vous, Aïdou, Aïdou, c'est le thème d'une comédie musicale américaine fort célèbre. Je vous demande d'applaudir Simone Valère et Jean de Sailly. Bernard Lavillier. Bon, on a réussi à retomber sur nos pattes. Je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais enfin les techniciens ont dû en mettre un coup et il faut les féliciter. On va retrouver Dalida, je vous l'avais annoncé, avec une chanson qui est signée... Attendez, Jeff Barnel et Michel Jouveau, souvenez-vous, Il pleut sur Bruxelles, avait déjà été écrit par ces deux auteurs qui ont beaucoup de talent. Ça s'appelle Mourir en scène. Et c'est peut-être une des plus jolies chansons que Dalida ait chantées ces dernières années. Écoutez-la bien, Dalida. Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil.
Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi, je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux, on se connaît déjà. On s'est vu de près, souviens-toi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Choisis plutôt un soir de gala, si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir. Le rire sur scène. Merci. Les fans assis, merci. Le rythme cardiaque de l'équipe s'accélère. C'est la première fois, une des premières fois qu'on a des petits problèmes comme ça, mais tout s'arrange, il y a un miracle. Le direct est un miracle mais permanent. Mais c'est ça, finalement. Le direct. Mourir sur scène, c'est pas une chanson qui a dû surprendre les fans, vos fans, ça. Mais c'est-à-dire, il faut dire que vraiment, je pense que tous les artistes, tous les gens du spectacle, étant donné qu'un jour on va mourir, n'est-ce pas, eh bien, c'est merveilleux de mourir en chantant, parce qu'il y a le public qui est là, c'est vraiment formidable. C'est un acte d'amour quand on chante, et alors vraiment, c'est mourir presque ensemble, c'est formidable. D'ailleurs, j'ai reçu une lettre assez amusante d'un admirateur qui m'a écrit « Dalida, je crois que vous avez réussi beaucoup de choses dans votre vie, eh bien, j'espère aussi que votre désir de mourir sur scène se réalisera, mais seulement mon souhait à moi, c'est d'être là quand tu mourras sur la scène. » Ça vaut très bien, ça. Mais après, à la fin de la lettre, il a écrit « Mais j'espère dans bien longtemps. » Dans bien longtemps. Voilà. Les deux auteurs, il faut les citer encore, c'est Barnel et Jouveau. Ils avaient déjà écrit pour vous et c'est une chanson émouvante. Et c'est vrai que la plupart des artistes rêvent un jour de terminer leur carrière en pleine activité. On va retrouver... Si je meurs là, c'est formidable, non? Bon, on va peut-être faire une crise cardiaque et tout ce qui nous arrive. Nous allons maintenant retrouver la page classique de l'émission. Oui. Ensuite, nous aurons également un pas de deux, la danse classique, mais d'abord la musique classique, avec Michel Béroff. Michel Béroff est un pianiste français fort célèbre. Il est d'Épinal, je crois. Il a dû faire le conservatoire de Nancy. Et dès 1967, il était déjà un des pianistes chevronnés qui faisait partie du peloton de tête des grands pianistes de concert. Il fait le tour du monde. Messiaen, Bartok, Mozart et ce soir, Moussorgski. Applaudissez Michel Béroff. On va maintenant terminer l'émission avec Dalida, avec des petits mots. C'est une chanson, je crois, de Jeff Barnel et de Jean-Pierre Lang cette fois, en vous remerciant de votre attention, de votre indulgence, en remerciant les techniciens de la SFP,
le chef de car, les gens du magnétoscope et le preneur de son, l'ingénieur du son Michel Ruby et toute l'équipe de Dirk Sanders. Croyez-moi, pour employer un terme du jargon de notre métier, un terme populaire, ils ont ramé ferme, mais je crois qu'on est arrivé au port. Merci, à samedi avec Johnny. Dalida. Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour. Les bye bye, arrivederci, les bonsoir, etc. Les saluts, les comment ça va, sont déjà des mots d'amour. Les farewell, on se reverra. Les merci qu'on dit comme ça à des gens qu'on croise et qu'on ne connaît pas. Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance. Des mots d'amour, l'épicier devant sa porte, qui te dit son petit bonjour, ne sait pas en quelque sorte qu'il te dit des mots d'amour. On n'est pas toujours bien d'accord sur la vie, mais ça ne fait rien. On se fâche un peu dans le bistrot. Je te déteste, puis on appelle au secours. Mais ces mots que l'on regrette sont toujours des mots d'amour. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on s'adore, on se trahit. Mais ce sont ces petits mots qui font la vie. La merci à Guy Motta et à samedi prochain. Comme vous voulez pour le générique.